Bonsoir à tous. En premier lieu, je tiens à remercier l'Action française de m'accueillir une nouvelle fois et de me permettre de vous délivrer cette conférence que j'ai appelée « Comment peut-on être de gauche ?». Alors, l'objet initial de cette conférence, l'objet que j'avais assigné initialement à cette conférence, c'était de faire, je dirais, une mise au point sur la question du clivage gauche-droite. Tant dans les médias de la réinformation que dans certaines voix émanant du système, on entend qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. Et de fait, entre l'état-major des socialistes et l'état-major des républicains, il n'y a pas de différence de fond d'un point de vue idéologique. Et de fait aussi, nous avons vu en régional les électeurs de gauche faire barrage à la bête immonde en allant voter pour Estrosi, et faut être motivé quand même, hein, pour voter pour Estrosi, et pour voter pour Xavier Bertrand. Donc effectivement, il y a quand même des faisceaux d'apparence qui pourraient laisser supposer que... Moi-même, lorsque j'ai écrit mon bouquin, donc essentiellement entre 2008 et 2010, j'étais sur cette position en disant « il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite ». Ceci étant, depuis maintenant quelques années, ma position a changé. J'ai une position complètement inverse. Et bien au contraire, je pense qu'il y a une différence d'essence profonde entre la gauche et la droite. Alors, quand on y réfléchit un peu d'ailleurs, dire qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, c'est dire qu'il n'y a pas de différence entre Radio Courtoisie et France Culture, par exemple. C'est dire qu'il n'y a pas de différence entre Serge De Beketch et Raphaël Antoven. Ou entre Roger Hollande et Jack Lang. Or, on sait qu'il y a quand même une différence de fond, on la sent instinctivement qu'il y a une différence de fond entre tous ces acteurs. Donc, il est important, selon moi, de revenir sur cette question du clivage gauche-droite, d'avoir les idées claires dessus. Et je vais plus loin en disant que l'avenir de la réflexion politique française et de l'action politique française passe par, un dépoussiérage et une réactivation de cette question du clivage gauche-droite. Alors tout d'abord, le clivage gauche-droite, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs idées maîtresses que j'ai envie de faire passer ce soir. La première, c'est que le clivage gauche-droite, bien plus qu'un antagonisme politique qui oppose des gens qui ont envie d'un petit peu plus d'État d'un côté, et un peu plus d'impôts, et un peu plus d'émigrés, à des gens qui, veulent un petit peu plus de liberté, bien plus qu'une opposition au sein d'un hémicycle, le clivage gauche-droite, c'est une fracture dans la société. Ça a commencé d'ailleurs dans la société française. Alors comment est né le clivage gauche-droite? Et qu'est-ce qu'il est véritablement? Il est né un jour extrêmement précis. Il est né, sauf erreur de ma part, le 28 août 1789 à l'Assemblée constituante. Que s'est-il passé ce jour-là? Est mise au vote la question du veto royal. Les partisans du veto royal vont se mettre à droite, les opposants au veto royal vont se mettre à gauche. Donc si vous prenez cette Assemblée constituante, elle est composée sociologiquement de personnes relativement identiques. Mais, in fine, une partie de l'Assemblée va se prononcer en faveur de l'autorité de droit divin, de l'autorité du roi de France, et in fine, l'autre partie de l'Assemblée va voter contre cette autorité de droit divin. Donc voilà le clivage gauche-droite. À droite, l'ordre naturel, l'héritage spirituel de la France, et à gauche, les Lumières et la libre pensée. Sachant que l'ordre naturel, c'est un ordre qui respecte la création. Donc, par exemple, qui respecte la famille, si vous suivez mon regard, qui respecte la religion, qui respecte la propriété, les frontières, etc. Cette notion d'ordre naturel est absolument capitale. Il faut se la mettre dans le crâne, sinon on a une vue brouillée, en vérité, des événements que nous traversons. Donc voilà le clivage gauche-droite qui naît en 1789. Deuxième idée maîtresse, ce n'est pas parce que le clivage gauche-droite existe dans la société, parce que ce clivage dont vous disais-je, c'est une fracture dans la société. Donc d'un côté, les éléments de la société qui veulent respecter l'ordre naturel, et de l'autre, les éléments de la société qui veulent s'en affranchir via leur ralliement à la philosophie des Lumières, abolir le passé pour créer un homme nouveau.
C'est ça, le clivage gauche-droite. C'est cette opposition entre l'ordre naturel et les Lumières. Et vous disais-je, ce n'est pas parce que cette opposition existe dans la société qu'elle est forcément reflétée dans l'échiquier politique. Septembre 1791, l'Assemblée législative s'installe. À ce moment-là, la droite authentique, défenseur de l'ordre naturel, n'existe plus. Pourquoi ? Parce que dans l'échiquier politique de l'Assemblée législative, la droite est occupée par ce qu'on appelle le club feuillant. En gros, c'est les sbires de Lafayette. Mais ces gens-là sont tous acquis au principe de la Révolution, ils sont tous acquis aux Lumières, ils sont tous acquis à la libre pensée. Donc, il n'y a plus de contre-révolutionnaires dans l'échiquier politique à ce moment-là. Ensuite, arrive la Convention. Pas besoin de détailler, bien évidemment, à la Convention, il n'y a pas de défenseur de la contre-révolution. Arrive le Directoire. Dans un premier temps, dans le Directoire, cette droite contre-révolutionnaire défenseur de l'ordre naturel est absente. Mais en 1797, suite à des élections partielles, elle revient. Elle revient, pas pour longtemps, parce que déjà le peuple, à l'époque, votait mal, et un coup d'État est fait, c'est le coup d'État de Fructidor, qui a été mis en œuvre par Bonaparte, qui va faire annuler les élections, et les républicains vont conserver les manettes. Arrive la période du consulat et de l'Empire. Ici, nous arrivons dans une conciliation entre la chèvre et le chou. Napoléon est mis en place, notamment par des banquiers suisses, pour maintenir les acquis de la Révolution, pour diffuser les Lumières dans la société française et pour conserver les conquêtes de la rive gauche du Rhin. Napoléon n'est pas bête. Il sait que si on continue à aller trop vite, la greffe ne va pas prendre. Donc, il va faire un pas en arrière, il va reculer pour mieux sauter. Il va faire un léger retour sur... Il va faire un léger retour vers le catholicisme et l'Église via le Concordat. Il va aussi rappeler les anciens émigrés, etc. Donc Napoléon temporise. Il recule pour mieux sauter afin que la greffe révolutionnaire, la greffe des Lumières, prenne mieux en France. Cette situation va durer jusqu'en 1814-1815. Le retour de Louis XVIII se fait en deux temps, comme vous le savez. Et là, nous avons un retour du clivage gauche-droite dans l'échiquier politique. Il n'avait pas cessé dans la société, je me répète, mais là, nous avons un retour dans l'échiquier politique. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la Chambre introuvable, qui est en fait composée d'ultramonarchistes, ce qu'on appelle les fameux ultras, dont on s'est moqué, mais j'ai le point de vue de Patrick Buisson de ce point de vue-là. La droite ultra, c'est la droite la plus pure de l'histoire de France, et de très loin, bien entendu. Et donc, cette droite est ultra-majoritaire dans la première assemblée de la Restauration. Louis XVIII, qui était acquis au principe de la Révolution, va dissoudre cette assemblée qu'on appelait la Chambre introuvable. Il le fait sous les conseils d'un personnage habile et curieux qui s'appelle Élie Descazes. Donc, nouvelles élections. Et là, les ultras ont encore, ils sont encore solidement installés dans l'Assemblée, dans la Chambre des députés, mais ils ne sont pas au pouvoir à ce moment-là, et c'est une coalition de libéraux et de ce qu'on appelle le constitutionnaliste qui sont au pouvoir, notamment toujours à travers ce personnage d'Élie Descazes. Le duc de Berry se fait assassiner, le ministre Villèle s'installe, le ministre Villèle va durer 5 ans, je crois, de mémoire, et d'aucuns disent que c'est l'une des périodes les plus heureuses et les plus prospères de l'histoire de France. Charles X va arriver au pouvoir, il tente, petite touche par petite touche, un retour à l'ancien régime. Comme vous savez, il va être destitué par l'usurpation de Louis-Philippe. Et Charles X avait une très bonne phrase au sujet de Louis-Philippe, il disait « cette âme plus basse que mon parquet ». J'aime bien, c'est très fin. La monarchie de Juillet va donner lieu à un événement extrêmement important qui est la naissance du centre droit. Qu'est-ce que c'est que le centre droit ? Ce sont d'anciens royalistes, mais qui vont se rallier au nouveau roi, non pas de France, mais des Français, Louis-Philippe. Quelle est leur caractéristique ? Idéologiquement, ils valident les Lumières. Ils valident les Lumières comme socle de la société. Mais ils vont conserver, je dirais, un vernis conservateur pour conserver, en fait, leur patrimoine, leur argent, leurs privilèges, etc. Donc c'est cette fameuse conciliation de la chèvre et du chou qui n'est pas faite pour l'amour du Christ, mais qui est plutôt faite pour le portefeuille des intéressés. Donc, autant ce centre droit, dans son nom, il y a le mot droite, hein, autant en réalité, il partage les fondements idéologiques de la gauche. Et d'ailleurs, il y aura un moment de vérité en 1875 sur lequel je reviens. Donc, ce centre droit va être au pouvoir, en gros, pendant toute la monarchie de Juillet. Il est incarné par un homme très intelligent qui s'appelle François Guizot.
Louis-Philippe va tomber à son tour, et la Deuxième République se met en place. La gauche est majoritaire dans un premier temps, mais en 1849, pardon, la droite est de retour, et majoritaire à l'Assemblée. Qu'est-ce que c'est que cette droite à l'époque ? Elle s'appelle le Parti de l'Ordre, mais de quoi est-elle composée ? De qui est-elle composée ? En fait, c'est une alliance entre des éléments orléanistes, issus des dynasties bourgeoises orléanistes, et de la droite légitimiste. Donc, en fait, c'est une alliance totalement contre nature, en vérité. Puisque, certes, ils sont tous partisans d'une monarchie, et encore pas du même roi, mais d'un côté, nous avons des légitimistes qui sont des défenseurs de l'ordre naturel, et de l'autre, nous avons ces orléanistes qui sont des défenseurs des principes des Lumières et de la Révolution. Napoléon III va prendre le pouvoir, il le prend de temps, 1851 coup d'État, 1852 mise en place de l'Empire. Que va-t-il se passer avec l'Empire dans l'échiquier politique ? En fait, il va y avoir un quasi-monopole dans le corps législatif, le corps législatif, c'est l'Assemblée de l'époque, de bonapartistes. C'est-à-dire qu'à gauche, les républicains vont être extrêmement minoritaires dans un premier temps, et à droite, les royalistes vont être extrêmement minoritaires aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à l'époque ce qu'on appelait le système des candidatures officielles. Qu'est-ce que les candidatures officielles ? Retenez bien ça, c'est très important. À l'époque, si un candidat se déclarait soutien du régime, il bénéficiait de la part de la préfecture d'une aide logistique, humaine, etc. C'est-à-dire que concrètement, la préfecture lui prêtait des gens, lui prêtait des individus, qui allaient arracher les affiches électorales de l'adversaire, qui allaient casser la gueule aux militants d'en face, etc. Donc il y avait une véritable aide. Et en échange, le candidat qui bénéficiait de cette aide devait en somme être un député potiche en faveur de Napoléon III. Méditons cette notion de candidature officielle. Aujourd'hui, nous avons encore des candidatures officielles sponsorisées par le système. La différence, c'est que le système n'est pas assumé et que nos collabos d'aujourd'hui n'assument pas, ils feignent, si vous voulez, une certaine neutralité, alors qu'en fait, ils sont là pour appliquer les directives mondialistes. Bref. Ceci étant, la banquise du Second Empire craquait lentement. Nous avons une augmentation des forces républicaines au fil des élections législatives, et des forces en fait, qui s'appelaient aussi libérales en même temps, à l'époque, et en même temps, une augmentation des royalistes. Pour sauver le système, Napoléon III va appeler au gouvernement Émile Ollivier, qui restera dans la postérité parce qu'en fait, il a déclaré la guerre à la Prusse, je cite, « le cœur léger ». Donc ensuite, la France est vaincue, comme vous le savez, hélas, mille fois hélas. Et des élections ont lieu pour décider de la poursuite ou non de la guerre. Je tiens à préciser que dans un premier temps, les conditions de Bismarck pour faire la paix étaient relativement modérées. C'est à cause de Gambetta et de son entêtement que les Allemands, ensuite, ont mis les bouchées doubles et qu'ils ont demandé l'Alsace et la Lorraine, soit dit en passant. Donc, je crois que c'est février 71, est élue la nouvelle Assemblée. À gauche, nous retrouvons les Républicains, et à droite, nous retrouvons cette alliance contre nature entre des orléanistes et des légitimistes. Mais comme je vous l'ai dit, nous allons avoir un moment de vérité en 1875. Il s'agit de se prononcer sur la nature du régime. Et c'est cette assemblée de 1870 qui va voter. Or, à ce moment-là, les monarchistes, royalistes et légitimistes, ont une majorité écrasante. Mais pourtant, la République va être votée à une voix près. Pourquoi ? Parce que les députés orléanistes, une partie d'entre eux, se sont ralliés aux Républicains. Alors pourquoi se sont-ils ralliés aux Républicains ? Ça, c'est l'enfant de M. Thiers. M. Thiers a eu un enfant, qui est le centre-gauche. Qu'est-ce que c'est que le centre-gauche ? Le centre-gauche, c'est, en fait, ce sont des individus qui viennent tous du centre-droit, donc ce sont les dynasties bourgeoises orléanistes, et qui vont se rallier à la République. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que leurs privilèges seront mieux défendus par la République. Je renvoie à Baudeloméni. Si vous avez déjà entendu un petit peu ce discours qui est le mien, là, sur ce ralliement, c'est peut-être que vous l'avez entendu chez Henri Guillemin. Henri Guillemin, soit dit en passant, a surpompé Baudeloméni sur la question sans jamais le citer. Donc je rends à César ce qui est à César. Et cette analyse extrêmement profonde sur les orléanistes et la naissance du centre-gauche, c'est bien Baudeloméni qui en est le géniteur. Ce centre-gauche est extrêmement important, puisque c'est lui qui va tenir les manettes en réalité jusqu'en 1940. Élection législative de 1877, qu'avons-nous à gauche ? Nous avons ce fameux centre-gauche, nous avons l'Union républicaine de Gambetta, et la gauche républicaine de Jules Ferry. Peut-être que j'ai interverti, et peut-être que la gauche républicaine c'était pour l'autre. Mais bon, en tout cas, nous avons ces trois forces-là.
en 1877. Ensuite, que va-t-il se passer ? Ces trois forces de gauche vont plus ou moins s'amalgamer et vont faire ce qu'on va appeler les républicains opportunistes. Ces républicains opportunistes ont changé de nom au fil des décennies. Ils vont s'appeler les progressistes et ensuite l'Association nationale républicaine. Cette Association nationale républicaine va se scinder en deux sous l'affaire Dreyfus. D'un côté, nous allons avoir la Fédération républicaine qui va se déporter à droite, et d'un autre côté, nous allons avoir l'Alliance démocratique, partie extrêmement importante, qui va se déporter à gauche. Et en même temps que ce mouvement, nous avons l'émergence de deux forces, les radicaux et les socialistes. Donc en fait, l'échiquier politique se bascule à gauche. Et que se passe-t-il dans ce mouvement de bascule ? Eh bien, les derniers grands groupes parlementaires contre-révolutionnaires vont progressivement être dégagés de l'échiquier politique de la République. Il restera quelques années de fidèles, mais ils seront toujours peu. Néanmoins, jusqu'en 1940, il y avait quand même des mecs authentiquement contre-révolutionnaires. Là, puisque je suis à l'Action française, je pense à Xavier Vallat, qui est un très grand Français, sur lequel on a dit beaucoup de bêtises et beaucoup de mensonges, mais je tiens à lui rendre hommage ce soir. Donc, nous avons ce basculement vers la gauche de l'échiquier politique français. Concrètement, au début du XXe siècle, il n'y a plus de droite véritable à l'Assemblée, globalement. Enfin, il n'y a plus de groupe solide, j'entends. À partir de 1919, nous avons une succession de gouvernements de centre-gauche et de centre-droit. Mais à chaque fois, en réalité, c'est le même et unique parti qui tient les commandes, c'est celui de l'Alliance démocratique. C'est un parti extrêmement important, l'Alliance démocratique, dont aujourd'hui tout le monde ignore le nom. C'est fort dommage. C'est fort dommage parce que ce sont eux qui ont tenu les manettes et qui ont mis la France... qui ont une responsabilité capitale, bien évidemment, dans la défaite de la France. Arrive ensuite 1940. Ce que se passe-t-il en 1940 ? La droite revient au pouvoir grâce à deux hommes que vous connaissez, le général Weygand et le maréchal Pétain. Et pendant 4 ans, on va essayer de remettre en place un régime qui respecte l'ordre naturel. Et ça a été d'ailleurs... concrétisé par un acte extrêmement fort, puisque le maréchal Pétain a consacré la France au cœur immaculé de la Vierge. Je précise qu'il voulait aussi la consacrer au Sacré-Cœur. Il n'a pas accepté dans un premier temps. C'est son ministre Jacques Chevalier et le marquis de la Franquerie qui lui ont proposé. Et dans un premier temps, Pétain a dit « Non, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas roi de France ». Donc on voit déjà l'humilité du bonhomme. Hein. Finalement, il accepte. Alors pourquoi ça ne se fait pas ? Ça ne se fait pas parce que les hommes d'église de l'époque, en France, ont refusé. Bon, c'est comme ça. Donc, le 20 août 1944, Pétain est arrêté par la Gestapo. Et il est emmené en Allemagne. Il y a un vide du pouvoir en France, et les gaullo-communistes en profitent pour prendre le pouvoir et restaurer la République. Il y a eu une restauration monarchique en 1914, il y a eu une restauration républicaine en 1944. Et 1944, c'est aussi l'année de la plus grande boucherie de l'histoire de France. Cette boucherie, c'est celle de l'épuration. C'est peut-être pas la plus grande, mais en tout cas, elle est dans le top 10. Et concrètement, qu'est-ce que c'est que l'épuration ? Eh bien, ce sont les maquis communistes, en grande partie composés, enfin pas en grande partie, mais si quand même, en grande partie composés d'Espagnols, réfugiés, toute la racaille républicaine que Franco nous avait envoyée, qui en somme vont assassiner des Français. Mais des Français très précis. Bon, bien sûr, il y aura des crimes gratuits, mais en réalité, ces maquis communistes vont flinguer, vont assassiner, vont commettre des actes de barbarie, vont commettre un nombre de viols incalculables contre les notables de France. Parce que ce que voulaient les communistes, c'était liquider la France des notables pour faire la révolution. Il y a eu une tentative de révolution en 1944. En réalité, il y a eu une révolution, mais disons qu'il y aurait pu y avoir une révolution communiste. Il y a eu cette tentative. L'épuration a fait entre 100 000 morts et 10 000 morts. D'où vient le chiffre de 100 000 morts ? Il nous vient d'une lettre du ministre de l'Intérieur de l'époque, au colonel Passy. Colonel Passy qui était le patron des services de renseignement gaullistes pendant la guerre. De Vavrin, je crois, de son vrai nom. Plus le temps passe, bizarrement, plus les historiens diminuent le nombre de morts. Et j'ai entendu ce cher Henri Rousseau dire que l'épuration n'avait fait que 8000 morts. Mais à considérer qu'il n'y ait que 8000 morts, ce qui est à mon avis totalement faux, ça reste un carnage, 8000 exécutions sommaires. C'est un pur carnage. Aujourd'hui, quand ces chers Ziad et Bouna accidentellement... c'est une tragédie, la mort d'enfants, on s'entend bien, mais quand accidentellement ils meurent en se faisant électrocuter, c'est un drame national. En revanche,
8000 exécutions sommaires dans un but purement égoïste, purement politique, des viols à n'en pas compter, des actes de barbarie à n'en pas compter, des actes de torture. Quand on regarde, quand on lit de près les témoignages de l'épuration, on est écœuré. C'est absolument atroce. Je cite une anecdote qui est citée par un résistant, qui est Julien Freund. Donc on ne va pas dire que c'est des pétainistes qui inventent. Hein. Bon. Julien Freund raconte que il était près de Clermont-Ferrand, je crois. Il y avait un chef de maquis qui était en couple avec une jeune institutrice. Et la jeune institutrice va rompre leur relation. Et quand arrive donc la libération, enfin, quand les Allemands commencent à partir et que l'épuration se met en marche, l'intéressé va raconter partout que cette jeune fille l'a quitté pour aller coucher avec les Allemands. Et donc, la femme en question va se faire juger, sans avocat bien entendu. Enfin, si, l'avocat c'est des Freund, parce qu'en fait, il était choqué du fait qu'on ne lui accorde pas d'avocat. Donc il s'était lui-même proposé. Ça n'empêche pas que l'intéressé va se faire condamner à mort. Et bien entendu, avant de la fusiller, elle se fera violer par tous les FTP. Voilà. Donc c'est ça, les donneurs de leçons. Vous voyez, tous nos donneurs de leçons de gauche... ne contiennent pas cette violence, puisque effectivement, elle touche des éléments essentiellement réactionnaires, elle touche le peuple de France. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. Et les 100 000 morts de l'épuration en deviennent 8. Alors, pour être tout à fait intellectuellement honnête, Robert Aron, qui a fait un livre assez détaillé sur l'épuration, a chiffré les exécutions sommaires à 40 000. C'est également le cas de Henri Amourou, sachant que les deux nous disent bien que ce sont probablement des chiffres en vérité à revoir à la hausse. Donc je me répète, il y a eu une tentative de révolution, il y avait une guerre civile en 1944 qui a été faite par les gaulo-communistes, et ça a été une boucherie. Mélenchon, un jour, dans un discours, a dit « les communistes n'ont pas de sang jusqu'au coude ». Bah, je dis « mais si, monsieur Mélenchon, les communistes, ils ont du sang jusqu'au coude voilà. ». Et pas qu'en France, soit dit en passant. On rappelle les crimes du nazisme à juste raison. Il faudrait quand même rappeler de temps en temps un petit peu ceux du communisme. Que ces gens-là, aujourd'hui, soient les plus grands donneurs de France, c'est une escroquerie intellectuelle absolue. Moi, je trouve ça absolument insupportable, à titre personnel. Mais donc, en 1944, nous avons cette restauration républicaine. Et là, les notables se sont fait flinguer. Et je vous évoquais le fait qu'il y avait une fracture dans la société, et que le clivage gauche-droite, c'était une fracture dans la société. Et bien là, les éléments conservateurs de la société française, on leur dit « vous la fermez ». Et d'ailleurs, puisque je suis à l'AF, parlons de Maurras. Pourquoi on condamne Maurras en 1944 ? Maurras condamné pour intelligence avec l'ennemi, avec l'Allemagne. C'est grotesque. En réalité, effectivement, pour la République, il a fait l'intelligence avec l'ennemi. Parce que l'ennemi pour la République, c'est la France, vous voyez. Donc effectivement, dans ce sens-là, il a fait l'intelligence avec l'ennemi. Mais dire que Maurras était un collabo, c'est une... Enfin, ça doit être normalement, ça doit être accueilli avec des éclats de rire. Ça n'a absolument aucun sens. Mais que voulait faire la République ? En condamnant Maurras, elle voulait envoyer un signal à la société pour dire maintenant la contre-révolution, c'est terminé. Et en condamnant Maurras et Pétain, on a condamné... la contre-révolution, l'idée même de contre-révolution. Et les éléments conservateurs de la société, soit donc se sont fait assassiner en 1944, soit ils se sont fait des coups de pression qui leur ont fait comprendre que il fallait plus qu'ils la ramènent. Et donc là, la droite, non seulement est totalement... comment vous dire, elle n'existe plus dans l'échiquier politique. Elle existe moins que jamais. Mais en plus de cela, dans la société, elle la met en veilleuse. Parce qu'elle sait qu'elle est une vaincue de l'histoire et qu'elle ne doit pas trop la ramener si elle ne veut pas se prendre des coups sur les doigts. Coups sur les doigts, je fais mise. Ensuite, donc, nous avons cette période 1944-2016. Et là, il n'y a plus de droite contre-révolutionnaire en France. On me dira le Front National. Je dirais que le Front National a des pulsions de droite par moment. Sans doute, une femme comme Marie-Maréchal Le Pen est-elle une authentique femme de droite, mais le FN actuellement valide la République, les Lumières, blablabla... Ce qui n'empêche pas qu'ils prennent des positions de bon sens, à laquelle je souscris, contre l'Union européenne, contre l'immigration, etc. Mais à proprement parler, il n'est pas un parti de droite. Peut-être le deviendra-t-il un jour, sous l'influence de Marion Maréchal Le Pen. Nous verrons. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Alors ceci étant, faisons le bilan. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de droite dans la société française ? Je dis bien dans la société française. Mais il y a quand même un reliquat de bourgeoisie conservatrice qui existe encore, qui est incarné notamment par les fameux auditeurs de Radio Courtoisie, que je salue. Parce que j'adore leur message. Vous voyez, je suis... en fait, je suis traumatisé par la nullité des commentaires sur YouTube, enfin, sur tous ces sites, y compris de mes propres vidéos. Hein. Je vous le dis franchement, je trouve les commentaires absolument affligeants à côté de la plaque. Enfin, bref. Radio Courtoisie, quand j'entends les commentaires des auditeurs, déjà, c'est dans un français impeccable, je le dis en passant,
Et c'est souvent des remarques frappées du bon sens. Bref, donc nous avons quand même un reliquat de bourgeoisie conservatrice qui est ferme, mais qui est encore là. Nous avons quand même une jeunesse qui s'est un peu levée pendant la manif pour tous. Elle a eu quand même, cette jeunesse, une pulsion de droite. Nous avons des réseaux de paroisses, nous avons des réseaux d'écoles libres, et nous avons cette fameuse galaxie dissidente qui est en train de naître et de grossir. Alors bien sûr, dans cette galaxie dissidente, tout le monde n'est pas de droite contre-révolutionnaire, mais quand on va au bout de la logique, c'est là qu'on arrive. Alors après, il y a des gens qui ne vont pas au bout, parce qu'ils n'arrivent pas à renoncer à leurs anciennes idoles, voyez. Mais quand on va au bout de cette logique dissidente, on est dissident par rapport à qui, par rapport à quoi? Par rapport à ce régime qui est pétri par les Lumières. Et in fine, on revient à la défense de l'ordre naturel. Donc j'en arrive maintenant à la question, comment peut-on être de gauche? Bonne question. Quel est le bilan de la gauche déjà face à l'histoire? Déjà, première responsabilité de la gauche, c'est d'avoir mis en place le capitalisme sauvage en France. Si on considère que le capitalisme, c'est le règne de l'argent, et dans ces cas-là, on doit considérer que la gauche a mis en place le capitalisme, puisqu'elle a flingué tous les contre-pouvoirs à l'argent. Le roi, la noblesse, les corporations, l'église, les communautés de village, etc., etc., etc. Donc la gauche a mis en place le règne de l'argent. Alors évidemment, tous les anticapitalistes à deux balles de gauche disent « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il comprend rien, il en ment. » Mais ça, c'est l'histoire, mon garçon. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc la gauche est capitaliste par essence, parce que la gauche s'oppose à tous les remparts contre l'argent. C'est comme ça. Et c'est toute la contradiction des collectivistes, hein, soit dit en passant, qui se croient anticapitalistes alors qu'en fait, ils ne sont que des altères capitalistes. Ensuite, la gauche n'a été en roue libre véritablement qu'en 1877, puisque entre-temps, nous étions dans cette conciliation de la chèvre et du chou, sauf pendant quelques mois en 1848, mais globalement, voilà, c'était le cas. Quel est son bilan à la gauche pendant cette période 1877-2016? Déjà, diffusion du laïcisme, déchristianisation, le malthusianisme de la société française, j'ai pas le temps de développer là-dessus, mais il y aura beaucoup à dire, impréparation de la guerre en 14, traité de Versailles totalement bâclé, politique totalement débile d'Aristide Briand, de concession face à l'Allemagne, enfin un aveuglement face à l'Allemagne totalement délirant, totalement débile, qui rappelle d'ailleurs l'aveuglement de la classe politique d'aujourd'hui face aux migrants, soit dit en passant. Et ensuite, bien évidemment, le manque de préparation contre l'Allemagne hitlérienne. Ça, c'est une responsabilité capitale de la gauche. La gauche est grandement responsable de notre défaite en 40. Et ensuite, entre 1944 et 2016, comment peut-on résumer l'action de la gauche? Je résume très simplement. L'action de la gauche, pour moi, peut être résumée par cette formule, la destruction de l'identité française. La gauche a tout fait pour essayer de détruire l'identité de la France. Toujours par un laïcisme de plus en plus évident. Vous remarquerez qu'au nom de la laïcité, on a mis à l'amende l'Église catholique. En revanche, on a financé à plein pot les mosquées. Bizarre tout de même. Hein. Immigration de masse, bien entendu. Les zones défrancisées, je pense que vous savez tous ce que c'est. Théorie du genre, mariage gay, falsification de l'histoire. La gauche est championne olympique en falsification de l'histoire. Elle n'a pas le choix d'ailleurs. Parce que sinon, on verrait sa laideur. Donc, elle est obligée de la maquiller, l'histoire. Donc, face à l'histoire, la gauche, c'est le camp qui a tenté de détruire l'identité de la France. Et c'est normal. Et c'est normal. Puisque la gauche étant anti-France, elle doit flinguer la France pour exister. C'est absolument capital. Donc, il n'y a aucune incohérence là-dedans. Je l'ai déjà dit dans des interventions précédentes, je le répète. La gauche est également, dans l'histoire contemporaine, le camp politique qui a toujours fait tirer sur le peuple. Et qui a commis tous les massacres. Massacre en Vendée, massacre des ouvriers en juin 48, c'est toujours la gauche. Massacre des communards, c'est la gauche de M. Thiers. Clemenceau fait tirer sur les grévistes. La gauche fait tirer sur la foule aussi en février 34. L'épuration, je vous en ai parlé. Donc la gauche, c'est le camp de la haine, pour reprendre le mot de qui vous savez. Qui accuse toujours la droite authentique d'être la haine, avec un grand H, n'est-ce pas? Non, la haine, messieurs, je suis désolé, c'est la gauche, et cette haine, d'ailleurs, on les retrouve chez les antifas, qui ont pour nous une haine absolument hallucinante. Nous, à la limite, on les laisse vivre, on se soucie pas d'eux, mais eux n'arrivent pas à se passer de nous, et ils nous vouent une haine absolument irrationnelle. Donc, comment peut-on être de gauche? Bonne question.
J'ai trouvé deux grandes explications. Une explication d'ordre matérialiste et une autre explication d'ordre pathologique. Et oui, il y a la seule. Donc tout d'abord, d'ordre matérialiste. Je l'ai instinctivement palpé lorsque j'étais à la fac. Avant de faire du droit, j'ai fait un an d'histoire à Tolbiac, université très à gauche, avec des syndicats extrêmement présents, enfin des syndicats d'extrême gauche. J'ai vu d'ailleurs leur méthode d'intimidation, de coups de pression. Moi, j'avais vu plus méchant qu'eux, donc je vous avoue qu'ils ne m'ont pas fait beaucoup stresser. Mais moi, j'aime la controverse, donc j'allais discuter avec eux. Et je trouvais quand même quelques dénominateurs communs à tous mes interlocuteurs. Déjà, ils étaient tous blancs. Bizarre. Il y avait des Noirs et des Maghrébins à Tolbiac. Pourquoi ? Il n'y avait aucun dans ces syndicats bidons. Et ensuite, quand on grattait, ça a été un petit peu une découverte pour moi, ben on se rendait compte que les mecs, ils venaient pas vraiment de quartier populaire, si vous voyez ce que je veux dire. Ils étaient même, pour certains d'entre eux, ils venaient même de quartiers relativement aisés. C'est d'ailleurs curieux, ces gens qui s'habillent comme des pauvres, qui n'ont pas d'argent, et qui passent leur temps à fumer du shit. C'est bizarre, mais ce shit, ils doivent bien l'acheter. Hein. Donc avec l'argent, avec quel argent ? Je ne sais pas. Bref, en discutant avec eux, je me rendais compte que, bon, déjà, il y avait une différence de substance et de nature entre eux et moi. Il y avait une faille spatio-temporelle, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'ils pensaient blanc, je pensais noir sur à peu près tous les sujets. Mais surtout, ce que j'ai compris, c'est que pour être de gauche, il y a des conditions extrêmement précises. Il faut être un bourgeois blanc, vivant entre bourgeois blancs. Et j'ajoute, il faut être individualiste, parce qu'on peut être un bourgeois blanc vivant entre bourgeois blancs, c'est mon rêve, hein. C'est intéressant, mais avoir le souci de la France. Hein, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on n'a pas de souci de la France. Et en revanche, quand on est individualiste, qu'on est bourgeois blanc et qu'on vit entre bourgeois blancs, eh bien on est ce que j'appelle, pardon l'expression qui est un peu vulgaire, je m'en excuse, on est un puceau du réel. On est un puceau du réel, et effectivement, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est une racaille, on ne sait pas ce que c'est un coup de pression, on ne sait pas ce que c'est que la persécution des femmes blanches dans les transports en commun franciliens, on ne sait pas ce que c'est même les galères financières. Donc les conséquences du mondialisme n'existent pas, et effectivement, on est perdu dans cette petite bulle consumériste. Voilà. Donc, pour être de gauche, explication matérielle, être un bourgeois blanc individualiste vivant entre bourgeois blancs. Autre explication que j'appelle moi pathologique. Je pense qu'on peut tomber dans la gauche par haine de soi. La haine de soi, oui. Et par haine de soi, on en vient à rejeter tout ce qui nous constitue anthropologiquement. On renie notre famille, on renie notre patrie, on renie notre religion, on renie notre culture. Et donc, ce mouvement de haine de soi aboutit à cette espèce de rejet global totalement pathologique. Je vais vous donner quelques petits exemples. Il y en a un que j'ai vu sur TV Liberté. Sur TV Liberté, il y a un journaliste racontait son infiltration dans une ZAD. Vous savez, c'était là où était mort le fameux Rémi Fraisse. Et il raconte qu'il y avait des filles qui, par féminisme et par volonté de déconstruire l'autre bourgeois oppressant, inversaient le sexe de tous les noms. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « la voiture et la porte », elle disait « le voiture et le porte ». Vous voyez ? Bah, ou au lieu de dire « le marteau-piqueur », elle disait « la marteau-piqueur ». Eh bien, ces filles-là, je le dis, ne sont pas psychologiquement équilibrées. Et non, mais c'est évident. Et bien entendu, la gauche les a rendues complètement cinglées. Il y a un peu plus d'un an de ça, j'ai écrit un article qui s'appelait « La gauche rencontre », ce dont je suis intimement convaincu, et je l'explique, mais là, ça nous emmènera sur une autre conférence. La gauche rassemblée. Je veux dire, au bout d'un moment, quand Francis Huster, de bonne foi semble-t-il, nous dit que les migrants sont les futures montagnes, c'est inquiétant quand même. Pour s'il le pense, s'il le dit au premier degré, c'est très inquiétant. Autre exemple, nous avons vu l'affaire de la déchéance de nationalité. Ça a choqué, bien entendu, beaucoup de bonne conscience qu'un terroriste qui assassine des Français, on songe à lui retirer la nationalité française. C'est vrai que c'est choquant quand on y pense, c'est extrêmement choquant. Moi, j'aurais proposé plutôt pour les terroristes la guillotine à titre personnel, mais bon, ce n'est pas dans l'air du temps. Peut-être que demain, la guillotine reviendra. Mais donc, vous disais-je, ça a choqué beaucoup de monde. Et sur BFM, que j'ai appris que des anarchistes, probablement qui eux aussi liés entre bourgeois blancs, ou plus ou moins, demandaient à être déchus de leur nationalité. Voilà. Ils demandaient à être déchus de leur nationalité française. Moi, au pouvoir, je les aurais copié de la lettre. Et expulsion en Algérie. Ou au Mali, où vous voulez. Vous reniez la France, reniez-la jusqu'au bout.
Vous savez que Peggy disait qu'il n'aimait pas les gens qui vont aux deux guichets. C'est très facile d'être un bourgeois blanc vivant entre bourgeois blancs et de bénéficier de l'anthropologie française et à la fois de cracher sur la France. C'est extrêmement facile. Voilà. Ou à la limite, ces mecs-là, on les envoie dans le 93, au Mureau, on les envoie à Mantes-la-Jolie, à Bobigny ou que sais-je encore, et ils vont être vite dépucelés. Hein. Parce que vous savez, ce qui est quand même encourageant, c'est qu'un Français, lorsqu'il est au contact du mondialisme, donc quand il est vraiment au contact du mondialisme, il arrête immédiatement de le valider. Et d'ailleurs, bizarrement, le vote Front National est présent dans les zones où les naissances extra-européennes sont les plus élevées en France. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, dites personne. Vraiment, c'est un mystère. Et d'ailleurs, en Bretagne, 5% de naissances extra-européennes, et que se passe-t-il, évidemment, un parti socialiste extrêmement majoritaire, extrêmement implanté. J'aime beaucoup la Bretagne, j'ai beaucoup de bons amis là-bas. Franchement, l'électeur breton s'est un peu humilié quand même lors de ces dernières régionales. Mais je ne fais pas d'amalgame et je n'ai bien entendu pas tous les Bretons. Je ne mets pas tout sous cette étiquette. Donc nous sommes dans cette explication pathologique. Autre exemple, en Suède, la vice-présidente du gouvernement fait une conférence de presse, totalement bouleversée, en larmes. Et de quoi se plaignait-elle, cette pauvre dame ? On ne pouvait plus accueillir des migrants. C'est-à-dire que cette femme était détruite intérieurement parce que l'invasion de son pays cessait. Voilà. Donc, c'est dramatique. La disparition de mon pays ne va pas se poursuivre à son terme, parce que la Suède, c'est le Vatican du politiquement correct, hein, comme je l'ai déjà dit. Et pour elle, c'était absolument dramatique. Autre exemple, vous vous rappelez de l'affaire de Cologne, qui est un drame. Mais en revanche, le traitement médiatique est à mourir de rire, hein, soyons très clairs. Et des féministes allemandes ont déclaré que ce qui s'était passé à Cologne, c'est ce à quoi on assistait chaque année à la fête de la bière. Donc, par haine de soi, on en vient à répudier tout ce qui nous constitue. Et j'ai même vu des affiches d'Antifa allemands qui disaient que le viol, ça dure 30 minutes, le racisme, ça dure toute la vie. Donc, j'espère que c'est un fake. Mais encore que, j'aurais aimé que ce soit un fake, les jeunes filles qui inversent le sens des... Mais apparemment, c'était bien des êtres vivants, donc je me méfie de la gauche. En tout état de cause, donc, pour des raisons pathologiques liées à la haine de soi, on en arrive à ces comportements totalement destructeurs. Et fondamentalement, pourquoi ces gens-là ont la haine de soi ? Parce que généralement, ce sont des bourgeois blancs, complexés d'être bourgeois et complexés d'être blancs. Mais moi, je vais leur dire, si vous êtes complexés d'être bourgeois, donnez-moi l'argent de vos parents, moi je le prends, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas complexé avec, il n'y a absolument aucun souci. Quant au fait d'être complexé d'être blanc, bon là, c'est, si vous voulez, comme je vous dis, ça relève de la clinique. Hein. Moi, je veux dire, au bout d'un moment, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Bref, donc voilà ces deux explications que j'ai données. Mais vous l'avez compris, cette gauche a totalement subverti la société française et elle est responsable de tous nos maux, en vérité, de tous nos maux, de tous les principaux maux qui frappent la France. Puisque c'est la gauche qui a été la passerelle vers le mondialisme. Vous savez, aujourd'hui, je tiens à faire une mise au point là-dessus aussi. On nous dit que, on entend parfois que le nouveau clivage, c'est celui entre le mondialisme et le souverainisme. La mise au point est extrêmement importante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté de la France. Ce n'est pas la souveraineté de l'anti-France. Donc, la souveraineté est une voie de garage si elle n'est pas en symbiose totale avec la question de l'identité. Et quand je dis identité, c'est y compris le versant spirituel des choses. Si la souveraineté n'est pas en symbiose totale avec l'identité, elle est une voie de garage. Pourquoi ? Ben faisons un effort d'imagination. Imaginons que la France sorte demain de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro. Mais que nous conservons les chances pour la France, le multiculturalisme, les loges maçonniques, le politiquement correct, la gauche à tous les étages. De vous à moi, la valeur ajoutée sera limitée. Et c'est pas ça qui va métamorphoser notre quotidien, de fait. Bon. Donc, il faut une symbiose totale entre la question de la souveraineté et de l'identité. Et quand on fait cette symbiose, on retourne à la notion d'ordre naturel, en vérité. Il en va de même pour le mondialisme, vous allez voir. On va retomber sur nos pattes aussi avec la question du mondialisme. Je vous ai dit que la gauche, c'était les Lumières. Lumières, abolition du passé pour créer un homme nouveau. Qu'est-ce que le mondialisme ?
c'est une volonté de mettre en place une organisation politique à échelle mondiale, ce qui serait en quelque sorte superposée, ou plutôt à laquelle se superposerait, pardon, une spiritualité globale. Pour la spiritualité globale, je renvoie à l'ouvrage exceptionnel de Pascal Bernardin qui s'appelle Le Crucifiement de Saint-Pierre. Il explique d'où vient cette spiritualité globale, toutes ses origines gnostiques, et il explique comment elle s'est traduite très concrètement aujourd'hui et qui sont ses principaux véhicules. Donc le mondialisme, c'est cela. Mais le mondialisme n'est possible que si préalablement les nations du monde ont aboli leur passé, ont aboli leurs traditions, ont aboli leurs spécificités culturelles. Autrement, les nations refusent de se fondre dans un moule qui ne leur correspond pas, si vous voulez. Et le mondialisme, quand on y réfléchit bien, a besoin, lui aussi, d'éradiquer le passé, et il a besoin de créer un homme nouveau. Donc, le mondialisme, on s'en rend bien compte, en vérité, ce n'est que, je vais parler comme Lénine, c'est le stade suprême des Lumières, en vérité. Et nous retombons sur nos pattes, à gauche, les Lumières, la libre-pensée et le mondialisme, et à droite, l'ordre naturel, avec tout ce que ça induit en matière d'identité, de souveraineté, de respect de la religion, etc. Donc le clivage gauche-droite, non seulement existe encore, mais selon moi, il est plus vif que jamais. La gauche, donc face à l'histoire, je vous l'ai dit, porte cette responsabilité assassine d'avoir tenté de détruire l'identité de la France. Comment renverser la vapeur? J'ai déjà fait des interventions publiques en ce sens. Je vois deux grands types de scénarios et deux grandes possibilités. Le premier, c'est celui de la scission dans les élites. Une partie des élites françaises fait sécession avec les élites ralliées au mondialisme, et ces élites sécessionnistes s'allient avec des forces anti-système pour dégager les forces ralliées au mondialisme. Elles ne le feront pas, bien entendu, pour l'amour du Christ, elles le feront pour leur portefeuille, mais néanmoins, ça s'est vu dans l'histoire de France, et ma foi, pourquoi pas le revoir demain. Deuxième type de scénario, c'est celui de l'effondrement républicain. Qu'est-ce que c'est que l'effondrement républicain? C'est un effondrement du régime, bien entendu, mais bien au-delà de ça, c'est un effondrement de la société. Et nous en avons vécu un en 1940, et que s'est-il passé? Que se passe-t-il en cas d'effondrement républicain? Eh bien, c'est très simple. C'est ce qui tient encore debout qui prend le pouvoir. Qu'est-ce qui tenait encore debout en 40? C'est l'armée. Donc Végan et Pétain prennent le pouvoir. Donc dans ces deux types de scénarios, on a une chance, c'est qu'on s'y prépare de la même façon. On se prépare de la même façon à ces deux scénarios. Et comment on s'y prépare? Eh bien, on s'y prépare en faisant une contre-société conservatrice. Mais comment faire contre-société? Elle existe déjà en partie, cette contre-société, de fait. Mais il faut la faire grossir un maximum et lui donner une véritable masse critique. Alors, comment faire? Pour moi, il y a une activité globale, une activité qui recouvre plusieurs domaines. Tout d'abord, le domaine spirituel. C'est la base. L'Europe a, en gros, apostasié depuis plus de 50 ans maintenant. Et en France, on avait pris un petit peu d'avance en rompant avec le baptême de Clovis pendant la Révolution. Je lis très simplement, il n'y a aucun changement à espérer tant que la France ne renoue pas avec le baptême de Clovis. Je l'ai déjà dit, je le répète, j'incite les Français à se faire baptiser. D'une part, avoir les coups de pouce du bon Dieu, et d'autre part, il faut bien être lucide. Tant que la France restera, d'un point de vue anthropologique, Charlie compatible, de fait, il n'y a rien à espérer. Si Marine Le Pen est élue demain dans une France Charlie, elle prendra quelques petites mesures symboliques, mais elle n'engagera aucun changement en profondeur. Donc j'invite les Français à se faire baptiser pour des raisons spirituelles, bien entendu, et aussi pour des raisons anthropologiques. Tant que les Français ne basculent pas dans ce nouveau paradigme, il n'y a rien à espérer. Absolument rien. D'un point de vue individuel, les gens doivent apprendre aussi à renoncer à leurs idoles. Idoles spirituelles et temporelles, qui nous viennent du lavage de cerveau républicain. Je donne un petit exemple. Moi-même, comme tout le monde, j'admirais De Gaulle pendant des années. Pourquoi? Parce que le dossier qu'on mettait entre les mains ne contenait pas toutes les pièces, précisément. Au fil de mes recherches,
Ceux qui me connaissent savent que j'en viens à réhabiliter Pétain. Donc j'ai compris qui était De Gaulle, j'ai compris le mal qu'il avait fait à la France en rétablissant la République en 1944, en se comportant aussi de façon ignoble avec des Français qui étaient des Français absolument exceptionnels. Et donc j'ai renoncé à mon idole gaulienne. J'ai renoncé. De fait, convaincu que la vérité était ABC, eh bien je n'ai plus soutenu que la vérité était XYZ. Et il faut apprendre à renoncer à toutes ces fausses idoles. Très souvent, c'est l'orgueil qui nous empêche d'y renoncer. C'est concrètement, on ne veut pas admettre qu'on s'est trompé et qu'on est dans le faux. Voilà. Bah, il faut admettre que des fois, on est dans le faux. En ce qui me concerne, mon évolution spirituelle et politique vient du fait que j'ai admis que j'étais dans l'erreur autrefois. Voilà. Si on n'a pas ce préalable-là, on ne va pas bouger. Et l'objectif, quand même, c'est de refaire des Français. La République tente de transformer les Français en républicains. Je renvoie à l'ouvrage assez hallucinant de Vincent Pillon qui s'appelle « La Révolution française n'est pas terminée ». L'objectif pour sauver la France, c'est de refaire des Français. Si on ne refait pas des Français d'un point de vue anthropologique, là encore, il n'y a pas grand-chose à espérer. Et donc, pour refaire des Français d'un point de vue anthropologique, il faut que les intéressés renoncent à ce lavage de cerveau républicain qu'on leur a foutu dans le crâne. C'est la base. C'est d'ailleurs pourquoi, moi-même, je tire à boulets rouges sur ces idoles républicaines. J'ai déjà envoyé quelques claques à De Gaulle. Je vais envoyer la sauce sur Clemenceau aussi. Et toutes ces idoles, je m'y attaque. Parce que je veux faire comprendre aux gens que ceci n'est pas la vérité, que c'est un mensonge et que la présentation de ces personnages qu'on leur fait est totalement erronée et parfois même contraire à la réalité. Notamment avec l'affaire De Gaulle. Clemenceau, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais De Gaulle, si vous voulez, la profondeur du mensonge, mais on peine à la croire. Quand on a les pièces du dossier entre les mains, je parle en avocat là, quand on a les pièces du dossier entre les mains, on peine à le croire. C'est absolument hallucinant. Bref. Petite anecdote, qui sait par exemple que des officiers gaullistes essayaient de débaucher des gens de l'armée d'Afrique pendant qu'elle était en combat en Tunisie, pendant qu'elle combattait en Tunisie, qui sait que des agents gaullistes organisaient la désertion des troupes françaises? Qui le sait? Quand j'ai appris ça, écoutez, moi j'ai eu un sentiment d'écœurement. Voilà. Source française, source américaine, il n'y a aucun problème, c'est absolument contesté. Bon. Passons. Donc vous disais-je, action spirituelle, à refaire des Français en renonçant à nos idoles. Il faut aussi mener une guerre d'un point de vue culturel. Cette guerre culturelle a plusieurs versants. Le premier versant, c'est la transmission de notre héritage culturel, ce qui est absolument capital. Ce qui est absolument dramatique aujourd'hui, c'est que les Français ne connaissent plus leurs grands auteurs, ils ne connaissent plus leurs grands écrivains, ils ne connaissent plus leurs grands poètes, ils ne connaissent plus leurs grands philosophes. Moi, je dois tout l'histoire de France, y compris d'un point de vue social, puisque je me suis élevé intellectuellement par l'histoire de France, et je me suis élevé socialement grâce à mon élévation intellectuelle. Petite anecdote, mon grand oral pour le concours du barreau, j'ai parlé d'histoire 80% du temps. Et d'ailleurs, les examinateurs étaient très contents, puisque pour une fois, ils avaient des candidats qui maîtrisaient un petit peu les classiques de l'histoire de France. Bref. Il y a ce combat mené pour la transmission culturelle. De fait, ça commence. Aujourd'hui, ça commence. Je prends le cas de Jacques Bainville. C'est pas au militant d'Action française que j'apprends qui est Jacques Bainville. Mais de fait, le français moyen l'ignore la plupart du temps. Bien, grâce à Pierre Hilard, par exemple, Pierre Hilard a beaucoup parlé de Jacques Bainville, et beaucoup de gens sont arrivés à Bainville via Pierre Hilard. C'est un exemple que je prends. Je pourrais prendre l'exemple de Baudeloméni, que, par exemple, j'essaie, moi, de faire connaître un maximum de gens. Baudeloméni, c'est une perfide intelligence. C'est un style magnifique pour une pensée profonde et pour des révélations sur notre histoire. Pièce en main, nom en main, bien entendu, ultra carré. Historien surpompé, bien entendu, mais jamais cité. C'est pas grave, on a l'habitude. Enfin voilà, donc j'essaie de faire découvrir ce genre d'individu, aussi c'est pas Henri Coston. Alors Coston, il est plus connu, mais pas assez à mon goût. On a dit beaucoup de choses sur Coston. C'est vrai qu'il n'était pas très politiquement correct, selon Franck. Mais là n'est pas le problème, la question est de savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux, et si ce qu'il avance est fondé sur des éléments factuels réels ou pas. Voilà, donc si ce qu'il avance est factuellement juste, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Henri Coston qu'il faut les nier. Bref, donc cette guerre culturelle a pour aspect la transmission et la diffusion de notre héritage culturel. Autre aspect, il faut alimenter la vie intellectuelle et culturelle française. Ici, nous commençons à avoir de bonnes armes. Nous avons des Pierre Hilard,
Nous avons des Laurent Ozon, nous avons des Louis-Hubert Rémy, nous avons, j'ai cité Michel Drac, non nous avons donc des Michel Drac, on a des Adrien Bozzi, disons-le, on a mes camarades de Méridien Zéro, etc., etc., etc. Donc là, on commence à être bien armé. D'ailleurs, il y a des jeunes qui vont arriver, je pense à Romain Guérin, en qui je place beaucoup d'espoir. Donc là, quand même, on est quand même bien armé. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces figures n'avaient pas vocation à éclore et à émerger, hein, puisque aucune, bien entendu, n'émane du système. Et aucune, d'ailleurs, ne parle aux individus qui sont acquis aux valeurs du système. Donc, pour la guerre culturelle, pour le coup, nous sommes relativement bien armés. Et je pense que dans les années à venir, nous allons l'être de plus en plus. Arrive l'aspect médiatique. L'action, la mise en place de cette contre-société doit se faire aussi d'un point de vue médiatique. Là, on est aussi quand même globalement bien armé. Nous avons des TV Liberté, nous avons des Méridien Zéro, des F de Souche, des Boulevard Voltaire, des La Gauche Matué, des agences Info Libre, des Méta TV, et j'en passe, et des meilleurs. Ceux que je n'ai pas cités, m'excuseront. Je tiens à faire une mise au point quand même sur ces médias-là. De fait, cette action qu'ils ont menée a permis l'émergence de ce que j'appelle la nouvelle opinion publique. Et donc, ils ont rendu un service à la France, quoi qu'on en dise. J'emploie des mots pompeux, mais je suis désolé, ils ont rendu un service à la France. Et ce service, ils l'ont rendu de façon totalement bénévole. Et on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Pardon de le dire, pardon d'être prosaïque. Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui verront cette conférence à aider financièrement tous les médias que je viens de citer. Parce que si on ne les finance pas, il ne faut pas attendre que l'oligarchie les finance, hein, ça dit en passant, mais si les Français enracinés ne les financent pas, personne ne les fera. Et si personne ne les finance, à terme, ils seront obligés d'arrêter, parce que comme tout le monde, ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de gagner de l'argent, ils ont des loyers à payer, ils ont peut-être des familles à nourrir. Donc, il faut aider ces médias financièrement. Sinon, à terme, ils s'arrêteront, et là, la gueule de bois sera sévère. Vous connaissez le proverbe, hein, c'est quand quelque chose nous a quitté qu'on se rend compte de sa valeur. Donc j'invite, je radote, je répète, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent pour faire cette contre-société à financer, même 20 euros par-ci par-là, ces médias. Petite anecdote personnelle. Je sors mon bouquin en 2012, je suis invité dans une soirée, dans une belle galerie du centre de Paris. Et un jeune homme m'interpelle, il était un peu plus âgé que moi en l'occurrence, il me dit « Oui, Adrien, ton livre m'intéresse, mais j'ai pas assez de thunes. » Il parle un peu avec un accent... Bref. « J'ai pas assez de thunes, et donc je peux pas l'acheter. » Le problème, c'est que il était clope au bec. Je lui dis « Écoute, t'as de l'argent pour fumer, t'as de l'argent pour acheter mon livre. Point. Mais je t'en veux pas si tu l'achètes, hein, si tu l'achètes pas, pardon. Mais voilà, t'as de l'argent pour fumer, t'as de l'argent pour acheter mon livre. T'as de l'argent pour détruire ta santé et choper un cancer, t'as de l'argent pour devenir un peu plus intelligent. » Donc si des gens ont de l'argent pour fumer, ils ont de l'argent pour financer tous ces médias de la réinformation, les Méta TV, les agences Info Libre, les MZ, les TV Liberté, et j'en passe à des meilleurs. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui galèrent, niveau sous, on est d'accord. Mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. On n'est pas encore en Grèce, fort heureusement. Donc il faut aider financièrement ces médias, sinon la gueule de bois sera sévère. Et ensuite, autre action absolument capitale, dont on ne parle jamais, par timidité peut-être, je ne sais pas, mais c'est l'action économique. J'invite un maximum de gens à créer leur société, et je le dis de façon totalement décomplexée, à faire un maximum d'argent, parce qu'on a besoin de cette puissance-là. Si vous êtes salarié, allez aussi haut que possible dans la hiérarchie de votre boîte. Si vous êtes fonctionnaire, allez aussi haut que possible dans la hiérarchie de votre service. Mais j'invite un maximum de gens à créer leur société. D'une part parce que ça change la vie de ne plus être subordonné dans son travail. Ça vous permet de vivre, si bien sûr ça marche. Il faut se battre, hein. Les travailleurs indépendants sont persécutés en France. Hein. Tous les trimestres, ils se font braquer par l'URSSAF et le RSI notamment. Voilà. Donc tous les trimestres, haut les mains et lâchez le nez. Ils se font persécuter, mais franchement, je vous le dis, moi-même qui ouvre mon cabinet, ça n'a rien à voir. Avant, je bossais dans des cabinets, si vous voulez, mais de fait, de facto, j'étais subordonné à mes boss. Mais le fait d'avoir son propre emploi du temps,
ça change totalement la vie. Si vous voulez, il y a beaucoup moins cette césure entre la vie professionnelle et la vie tout court. Voilà. On est beaucoup plus en symbiose, la vie est beaucoup plus harmonieuse, je pense. Donc d'une part, ça peut vous permettre de vivre. Et puis, si votre boîte grossit, ça peut permettre de faire vivre des personnes de la cause. Et des personnes de la cause qui sont dans ce type de boîte, c'est des personnes qui, dans la vie de tous les jours, passez-moi l'expression, ouvrent leur gueule. Vous savez aussi bien que moi que la plupart des gens la ferment par trouille et par crainte de l'ostracisme. Voilà. Donc, toutes ces contre-sociétés, toutes ces sociétés appartenant à la contre-société, ma foi, seraient une façon de diluer cette crainte de l'ostracisme. Autre intérêt, si les sociétés marchent et qu'elles ont de l'argent et qu'elles génèrent de l'argent, financer des projets, financer des associations culturelles, financer des associations politiques, aider les gens qui sont dans la merde, etc. Et enfin, un versant absolument important, qui est celui, je vous ai évoqué tout à l'heure, la scission dans les élites. Mais pourquoi elle n'a pas lieu aujourd'hui, cette scission? Parce que les élites sécessionnistes potentielles, elles ne voient pas de débouchés. Il n'y a pas de débouchés pour elles qui leur sont offerts. Si un réseau de sociétés qui cartonne bien existait, ça serait un appât. Ça serait un exemple et ça serait, je dirais, une amorce de débouchés pour nos élites sécessionnistes. Donc tout nous pousse à créer nos sociétés et à les faire cartonner un maximum. Il faut être décomplexé sur la question de l'argent. La gauche nous a appris que l'argent, c'était pas bien. C'était sale, c'était vraiment absolument immoral. Ce qui est immoral, ce n'est pas l'argent en soi. Ce qui est immoral, c'est lorsque l'argent devient une fin et non plus un moyen. Ce qui est immoral, c'est lorsque l'attachement à l'argent, j'allais dire, phagocyte toute autre considération et tout autre motif. Mais l'argent en tant que tel, c'est totalement neutre. Gagner de l'argent, c'est un acte totalement neutre. Ce n'est pas mauvais en soi, et gagner de l'argent, ce n'est pas le voler à quelqu'un d'autre. C'est ce que la gauche... Enfin, non, normalement, mais bon. Dans le monde des affaires normales, je peux vous dire que aller chercher de l'argent, ça n'a strictement rien à voir avec le fait d'en recevoir d'un employeur. C'est une perception totalement différente. Et je dirais même que c'est noble, à un certain point de vue. C'est extrêmement noble. Donc il faut être totalement décomplexé sur la question de l'argent. Et j'y reviens, il faut un maximum de boîtes qui soient créées, qui cartonnent, ou petite parenthèse, de boîtes qui existent déjà, mais qui se rallieraient à nous pour faire cette contre-société conservatrice. Vous savez, on évoque toujours la croissance de la France, qui, effectivement, depuis plusieurs années maintenant, est assez faible. Qu'est-ce que la croissance? La croissance, c'est une augmentation de la production. Donc ça veut dire que si une année on fait 0% de croissance, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien produit. Ça veut dire qu'on a produit autant que l'année d'avant. Comment créer plus de croissance en France aujourd'hui? Ben moi, j'ai trouvé une phrase dans le journal de Jules Renard qui est une piste pour faire de la croissance. Quelle est cette piste? Jules Renard nous dit aussi. Et si l'on colonisait nos campagnes? C'était à l'époque où la France se lançait dans les colonisations en Afrique. Il dit, et si l'on colonisait nos campagnes, qui de fait sont parfois, pour certaines d'entre elles, totalement dépeuplées et totalement délaissées par l'autorité publique? Alors vous allez me dire, mais pourquoi se casser la tête à créer un tissu économique dans les campagnes françaises? Pourquoi se casser la tête? Bah, déjà, il y a un aspect financier. Les locaux coûtent moins cher, il y a moins de taxes, etc. Mais si l'on arrête, ou si on n'a plus les moyens de payer la paix sociale, que j'appelle moi la paix ethnique, bizarrement, bon. Si on a demain plus la possibilité d'acheter la paix ethnique, tous les Suédois de France vont retrouver un instinct de razzia. Et parce que vous savez que les Vikings avaient un instinct de razzia. Et à ce moment-là, mon petit doigt me dit qu'un très grand nombre de Français vont trouver opportun de s'éloigner de certaines zones. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, un certain nombre de Français seront contents d'avoir, je dirais, une base arrière en province. Voilà. Donc, c'est une idée que je lance, la recréation de ce tissu économique en dehors des zones urbaines. Et si on se lance vraiment là-dedans et qu'on met le paquet là-dedans, il y a des potentiels de croissance absolument gigantesques. Le tissu économique, pendant la mondialisation que nous vivons, s'est concentré dans les zones de métropole. Je renvoie aux ouvrages de Guy Louis là-dessus. Peut-être que l'une des clés de l'économie française,
c'est de recréer un tissu économique dans ces zones de campagne. Donc, il nous faut faire contre-société. Il nous faut faire contre-société pour sortir de cette subversion de la société française par les Lumières, par la libre-pensée, par la gnose, par toutes ces saloperies. Très souvent, vous savez, ce qu'on nous a appris à considérer comme bon et mauvais. Je pense toujours à cette phrase de Saint-Rémy lorsqu'il a baptisé Clovis, « Fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » À beaucoup d'égards, il faut aborder les choses de cette manière. Le lavage de cerveau républicain nous a appris que le mal était le bien et que le bien était le mal sur beaucoup de points, sur vraiment beaucoup de points. L'objet de cette conférence, c'est aussi de... En fait, je demande aux Français de se prendre en main. Je demande aux Français de se prendre en main et de sortir de cette insupportable passivité, de cette insupportable inertie face à l'effondrement de leur pays. Tout espérer, placer tous ses espoirs dans le Front National, je ne dis pas ça contre le Front National, hein, faut bien entendre mon propos, mais c'est une incroyable naïveté, je me répète. Si demain Marine Le Pen est élue dans une France Charlie, parce qu'il y aura eu des attentats, que les Français auront peur de l'islam, etc., il n'y aura pas de changement majeur à espérer. Si les Français ne se reprennent pas en main, s'ils ne prennent pas d'initiative, s'ils ne refont pas cette contre-société, il n'y a rien à espérer. Nous resterons les esclaves de cette république anti-française. Voilà. Donc les Français, je le répète, doivent sortir de leur insupportable passivité. Et à tous les points de vue, il y a un exemple que j'ai déjà cité dans une autre vidéo, je le redis, qui moi m'insupporte, c'est quand une racaille fout la merde dans un métro parisien et que personne ne la remet en place. C'est inacceptable. C'est absolument inacceptable. Si le mec a un couteau, un flingue, je veux bien que tout le monde la ferme. Hein, c'est pas la peine de jouer au héros. Et quand c'est juste un petit con, il faut le remettre en place. Point barre. Et on n'a pas à s'excuser du fait que les règles de civilité soient respectées. C'est la moindre des choses. Hein. Et il y a une lâcheté dans la société française, il faut le dire. Hein. Il y a des éléments dans la société française lâches, hein, où la lâcheté est répandue. Hein. Moi, ça m'insupporte, je vous le dis franchement. Et voilà, donc il faut revenir là-dessus, et il faut sortir de cette inertie, il faut sortir de cette passivité. Et pour cela, il faut recréer des communautés naturelles, il faut faire cette contre-société conservatrice. Il faut la faire pour nous dégager de l'influence malsaine de mauvais principes qui émanent de la gauche. Alors bien sûr, à gauche, on trouve des gens qui sont dans l'erreur, mais qui humainement sont totalement respectables. Bien sûr, à gauche, on peut trouver des figures intellectuelles parfois intéressantes. Je pense à Guy Debord. On peut parler de Marx, hein, même. On peut parler de Proudhon aussi. Même si Proudhon est revenu vers le catholicisme. Bon. Il s'est grandement dégagé de tout ça. On peut trouver quelques bons écrivains à gauche, même si l'immense majorité des grands écrivains est à droite. Mais globalement, la gauche repose sur des principes mauvais. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Je vais terminer cette conférence par un échange à la Chambre des députés, à l'époque où Clemenceau était président du Conseil. Comme je vous l'ai dit, Clemenceau a fait tirer sur les foules de grévistes. Jaurès monte à la tribune, et il fait un discours contre Clemenceau et il lui reproche d'avoir fait tirer sur les grévistes. Clemenceau le regarde de haut et lui dit « Mais monsieur Jaurès, vous me donnez des leçons de morale ?» Mais vous n'êtes ni le socialisme ni le bon Dieu. Et Jaurès lui répond, oui, Clemenceau. Et vous, vous n'êtes même pas le diable. Et Clemenceau lui répond, vous n'en savez rien. Je vous remercie.